Salut, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22. On continue le My Team et on se retrouve pour le quatrième GP et on part donc sur Imola pour vous découvrir cette nouvelle manche. Alors, l'avantage, je me répète, c'est pas grave, j'enfonce le truc. J'ai toujours dit et prôné que sur ce F1, il y avait toute la série. C'était l'officiel, donc on avait toute la configuration complète sur le jeu. Et finalement, on retrouve quoi ? Les manches sprint également. Donc on a bien la manche sprint sur ce circuit. Donc ça va vous montrer, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a permis de faire. Parce que je répète, je suis à 75, je crois, avec l'IA. Donc, début de carrière. Mais enfin, on commence le développement de la voiture. On commence le développement d'écurie. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai upgradé. En tout cas, ce que j'ai commencé à lancer dans le bureau de développement. Ensuite, je vous montre vite fait ce qui se passe au niveau de la manche sprint. Et au final, la course donc du dimanche. La course complète, en tout cas, là, sur le ratio de 50%. Il se passe pas mal de choses. Je vous montre, comme d'habitude, les meilleurs moments. Encore une fois, toujours des soucis avec mon volant. Je perds le FFB de temps en temps. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous m'aurez répondu sur la manche précédente, voilà, c'est toujours inquiétant. Et je crois que ça ne le fait que sur ce jeu-là. J'ai réessayé à MS2, ça ne le fait pas. Donc, voilà, à confirmer, je ne sais pas. Bref, allez, je vous laisse là-dessus avec cette quatrième manche. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Tchuss. Allez. Allez, on va tout de suite utiliser le RS. Gros freinage. Allez, Vettel, protège. Et qui se laisse pas faire clairement. On va garder un peu de batterie pour la ligne droite. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Ouais, ça manque de couple, hein, tout ça. Allez, on termine 15e. Il y a moyen de prendre des points pour le Grand Prix. Le vrai GP complet. C'est pas trop mal. 15e, on a gagné au moins 6 places, ça c'est top ça. Alors au niveau des évolutions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hop,
On va juste regarder. Donc, recommandation. Au niveau du top team, on est avant-dernier, forcément sur le développement. On va aller voir le R&D en cours. Rien en cours, histoire de progression. Donc, en recommandation, on a ici, ça c'est terminé. Allez, on va partir là-dessus. On va mettre en standard. Ensuite, on a quoi ici? Là, il nous met recommandation structure monocoque. On va partir là-dessus. Toujours en standard sur le délai. Ici, bras de suspension profilé. Allez, on va le faire également. Et on va laisser là pour le moment. En termes de bloc moteur, est-ce que je pouvais améliorer des choses? Peut-être système d'allumage, piston. Allez, on va prendre ça également. Voilà. Et on retrouve tout ça au niveau R&D, tout ce qui est prévu. Ça va nous faire upgrader un petit peu la monoplace et on va voir ce que ça donne. On va pouvoir faire la course, c'est parti. Bon. Allez, c'est parti pour tour de tour, P13. Alors je risque de perdre des tours, des places au départ. Oh c'est chaud. Allez, y a pas de dégâts. On se retrouve de nouveau derrière Vettel et Stroll. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. C'était chaud, pas possible. Faut que je me méfie, derrière il y a Ocon qui reste à l'affût. Allez, j'ai le DRS, il a également. Ça coûte un problème mécanique, je répète.
perdu un rapport. Allez, je perds un peu de temps là. Jolie manœuvre, bien joué. Quelques infos à propos de Stroll. Ah. Stroll qui s'arrête, enfin qui a des soucis. Drapeau vert, on est reparti. Allez, ça nous met 13e. Ouais, des petits soucis. J'ai peur qu'on puisse rien faire. Essaie d'adapter ton pilotage et fais au mieux. Rappelle-toi que le moteur a beaucoup de couple. Tu devrais pouvoir rester dans les rapports les plus hauts dans la plus grande partie du circuit. On dirait que c'est le troisième qui pose problème. C'est ça, la troisième. Ah, pour une course, je pouvais faire quelque chose. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,2 secondes. Ocon qui m'a attaqué un peu loin, j'ai l'impression. Ouais, je ne peux rien faire. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Belle bagarre avec Sainz. Forcément au niveau moteur, je fais pas le poids. Un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir. Allez, ERS, DRS. Non, c'est limite ça. La direction
direction de course a décidé de faire sortir la voiture de sécurité à cause de plusieurs voitures arrêtées sur la piste. Attention à ton Delta. Allez, on se prépare pour le restart, sachant que devant Gasly, je crois qu'il a 5 secondes de pénalité. Mon coéquipier est 16e. Ah, je suis très loin. Hein. Très mauvais restart de ma part. Allez, on en profite. A été autorisé, DRS disponible. L'écart avec notre coéquipier est de 1,7 secondes.
Allez, la course au point. 14e. Quelques infos au sujet de Magnussen. Ils ont un problème apparemment. Allez, ça va le faire. À peu près 3 tours de carburant. Allez, Schumacher, Ricardo, mais dans le DRS. Voilà, je peux plus passer de vitesse. Magnifique. Tu vas peut-être avoir du mal à passer les rapports à vitesse normale. On constate que la boîte de vitesse a un problème. Je vais péter le moteur, je le sens. Ah non, la course est gâchée. Voilà, la course est terminée. Dommage, à la porte des points. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ouais, j'arriverai pas à rester 14e, je pense. Ouais, j'aurais vraiment pas été gâté sur cette course, hein. Franchement.
Oh, je sais pas comment je termine à la relance, mais 15e peut-être. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc. C'est dommage, n'hésitez pas à me dire, ouais, 14e, ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une course très très mouvementée, il s'est passé énormément de choses. Et puis, on se dit à prochaine pour la prochaine manche. Tchuss.